Eh, c'est bon, allez, vas-y. Putain, mais tant que ça. C'est si instable que ça, allez. Voilà. Aluminium. Les armes à feu. Non, non. Pas le faire. Je vends absolument tout, hein. Je fais. Excusez-moi. Ouais, ok. Hop. Ah, zut, attendez. C'était quoi? C'était le plastique, ça? Non, c'était pas le plastique, c'est le propergol. Radar. Social. Et silicium. Non, non, non. La ligne du dessus. Le titane. Et pour finir, la dernière ressource. Rien mais du fer. Et ouais. Et maintenant, avec ça, on fait quoi? D'accord, ok. Les batteries, ça s'est effondré. On revend du jeu. Et on va racheter du gaz naturel. Et je propose, c'est qu'on en achète 100 millions d'un seul coup. Bing.
Allez, 200 millions, on est fou. On est fou, ça coûte une blinde, mais j'ai une demi-heure d'autonomie. Est-ce que je repars sur le fer? Ça sert à rien, je vais être bloqué par. Non, non, faut que je trouve une solution à mon gaz. Putain, c'est tellement con, c'est tellement con. Mais écoutez, c'est bon, on est. Ça pourrait être gérable, mais c'est extrêmement stressant en fait. Parce qu'en fait, on vend absolument tous nos stocks. Pour acheter un tout petit peu de gaz, être autonome. En fait, ce sera un travail de longue haleine. C'est ça le truc, en fait. Là, en vrai, je peux laisser tourner une demi-heure. Le temps d'arriver jusqu'en rupture de stock de gaz, même si je veux, je peux acheter un peu plus de gaz. Le temps de rentabiliser, en fait, parce que, voilà, en créant des fusées, en créant du propergol. On recrée de l'argent. Avec cet argent-là, on refait un stock de gaz et puis on évolue le gaz. Mais ça serait vraiment du travail de très longue haleine. Autant, à mon avis, recommencer. On peut recommencer, on peut reprendre la même carte. On peut reprendre la même carte. Ah oui, et j'ai un échange en cours. Va falloir que j'annule mon échange. Voilà. Donc j'annule mon échange et puis on se tire. Bah, on se tire, mais en fait on peut revenir dans la même ville si on veut, avec juste voilà, on a le truc. Après j'hésitais avec Détroit, je crois. Hein. Détroit me semblait très très équilibré. Mais ouais, hein, le fer, on est très bien sur. Voilà. Mais donc on le sait, ici, il n'y a pas de pétrole. Après, faut que je regarde. Là ici, il nous faut le pack d'extension. Il y a rhum, fer, silicium, charbon, on a beaucoup. L'aluminium, le bois et le gaz naturel peuvent nous manquer. Donc ici, il faut le pack d'extension aussi pour Toulouse. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur Toulouse, mais ils ont donc le pack. Il faudrait que je l'achète, le pack, éventuellement. Ouais, il y a Oslo. Beaucoup de gaz naturel, beaucoup de pétrole. Je sais pas. Oslo pourrait être intéressant à faire. La grille est carrée. On retourne sur une grille carrée, par contre. Et on peut avoir des tuiles qui ont des ressources jusqu'à 30%. Ça peut être sympa aussi, ça. Hein. Et Rotterdam me plaisait bien. Hein. Écoutez, on va retourner à Rotterdam. On va retourner à Rotterdam en encaissant. Et au moins, cette fois-ci, on sait. Quels sont les quel départ il faut commencer en fait. Et chose que je constate, attendez. Ok, donc j'ai bien confirmation de ça. Les ressources ne sont pas disposées pareil. C'est important à savoir.
Ok. Alors, on n'a pas d'énergie, on n'a rien. Hein. On est à nu. Mais surtout, déjà, première chose qu'on va faire, c'est dépenser le pognon. Et donc, le diviseur du coût d'amélioration des bâtiments. On va prendre ça et on va diviser le coût des permis de construire. Voilà, là déjà, on va être beaucoup mieux. On a encore un petit peu d'argent. Donc je propose qu'on achète un constructeur supplémentaire. On peut aussi augmenter sa vitesse de déplacement, mais on va plutôt économiser. Là déjà, on repart sur de très très bonnes bases. Donc, il me faut premièrement de l'énergie. Donc, on va partir sur un petit panneau solaire. C'est temporaire, hein, c'est vraiment histoire de... Voilà. Hop. Et on va exploiter tout de suite. C'est du gaz. Je veux du gaz. Hop. Gaz. Ok, et maintenant, on voit. Bon, voilà. Donc, on a notre première petite augmentation. Hop. Donc là, on repart vraiment sur, sur une petite base, voilà, de... Là, on va faire tout de, on va faire tout de suite après, c'est la centrale électrique. Bon, c'est bon. De toute façon, je suis en augmentation. Voilà. Donc, hop, il faut que j'atteigne les 10K. 10K théorique. Temporaire hein, mais il va me la falloir aussi parce que sinon sinon je peine un petit peu là. Allez. Voilà, centrale électrique à gaz. Qu'on peut construire ici. Super. Avec une petite batterie. Non, on l'a pas encore débloqué la batterie. Donc ça, ok. Lui produit combien? Produit 500 watts.
On peut le vendre. Et lui, si je le vends, je pense que je suis encore bon. Ok. Donc là, on est bien. Alors, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est le chrome. Donc, tout de suite, hop, une mine de chrome. Puis ça, elle monte au niveau 2 parce que je sens que de toute façon, ça a manqué. Hop, voilà. Ouais, bon, ok, d'accord. Okay. Hop. Ok. Ensuite, le prochain truc, c'est le silicium. Le silicium se vend très bien aussi. On peut vendre du silicium ici. Donc, on va se faire. Ah, il me manque un petit peu de pognon. Voilà. Donc, on repart sur une nouvelle base, hein, tout simplement. Voilà. Mais on a des bonus en plus. C'est que les améliorations coûtent moins cher. Nos permis de construire coûtent moins cher. Donc, ça va être quand même super, super pratique. Voilà. On a quand même des améliorations à avoir recommencé. Alors. Pareil, hein, je pense que je vais faire un petit peu d'hors caméra, on va. Voilà, mais ça, à mon avis, on n'y coupera pas. De l'aluminium, j'en ai là. Donc dès que je peux. Là, même plus proche ici. Dès que je peux faire une mine d'aluminium. Hop. Voilà, comme ça. Je peux vendre de l'aluminium. Et donc je manque par contre de gaz, hein. Ça je manque de gaz. Mais il me faut 2 millions. Donc peut-être qu'il va falloir déjà que je refasse une autre pompe. Ok. Alors, je peux faire l'usine de traitement de gaz. C'est vrai qu'il y a ça. Ok, donc il faut que j'exploite du fer pour pouvoir remplir cette mission. En vrai. On va la faire, l'usine de traitement de gaz. Parce qu'avec ça. Ah. Me dites pas que je me suis soft lock. Je me suis soft lock. Non. Non, je me suis soft lock. J'y crois pas. Oh purée, attendez, je fais des conneries en plus.
Je me suis softlock comme un con. Attendez, parce que... Ah, c'est raide. Ah, le con. Ah non, non, non. Là, c'est la boulette. La boulette, hein. On peut le dire. C'est... Mais non, mais c'est pas possible. J'ai merdé à ce point? Attendez, attendez, attendez. Alors, on panique pas. Je sais que j'ai un petit peu de stock. Je sais que je démarre avec un petit peu de stock. Ok, j'aurais pas dû supprimer mon éolienne et mon... Tout de suite, dès le départ en fait. Alors pour le moment on va faire ça. On va faire ça. Il me faut un peu de gaz. J'ai un peu de gaz. Donc là. Lui, je peux le rouvrir. Mais pourquoi? Attendez, 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 j'ai comme un souci là. On va recommencer. Je me suis softlock comme un con. Oh le con. Ah non 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 la boulette, la belle grosse boulette. Donc on recommence. Panneau solaire. Cette fois-ci je vais le garder tant que je suis sûr de pas avoir de soucis. Donc panneau solaire. Et puis tout de suite on va partir plutôt sur. Bah oui donc il me faut du gaz de tous les cas. Il me faut du gaz donc une pompe à gaz. Mais on va pas, en fait, on va pas augmenter tout de suite surtout. Et le chrome, du chrome. Je peux, ouais. Alors, voilà un résultat. Il me faut un petit peu d'énergie. Mais vraiment, voilà, vraiment de quoi alimenter la pompe. Ok. Et le gaz naturel, je peux le vendre. Voilà. Ensuite, il me faut une éolienne. Une éolienne, c'est pour voilà, combler le... Parce que le panneau solaire ne fonctionne que 80% du temps. Même pas... Ok. Donc là, pareil, je vais monter niveau 3, histoire d'être voilà, tranquille. Ok. Donc là, pour le moment, ça va. Je vais créer une mine de chrome. Alors, je suis pas bon sur le gaz, donc je vais juste augmenter un tout petit peu le gaz. Encore un peu. Pourquoi je suis à moins de 2 là? C'est quoi ce délire là? D'accord, excusez-moi. Ça se comprend. Ça se comprend. Ok, là ça va mieux déjà. Tiens, c'était ça le soft clock. C'était parce que j'avais gaspillé tout mon pétrole. Bon, ok, là maintenant ça va mieux. On comprend mieux pourquoi ça avait merdé.
Ok, donc je disais le chrome. Le chrome, hop, on va vendre du chrome, du silicium. Excusez-moi, en fait c'était juste ça. J'avais oublié de changer le carburant que j'utilisais pour la vente. Donc voilà, il y a ça. Et il y a. Donc en énergie, je suis bon. Non, je suis pas bon, mais bon. Hop, est-ce que j'ai suffisamment de gaz? Non, toujours pas. Donc il me faut plus d'énergie. Ok. En vrai, c'est pas si catastrophique que ça. Ok, l'aluminium. J'en ai pas plus proche. Attendez, je vais le sélectionner. Hop. Si j'en ai plus proche quand même. J'en ai là. Faire une petite mine d'aluminium. Comme ça on va pouvoir en vendre. Ok. Et donc là, il me faut ma centrale électrique à gaz. J'ai les batteries là. Hop. Je peux mettre une petite batterie, histoire de. Histoire de pouvoir voilà, pouvoir stabiliser la prod. Et zut, maintenant il me manque des points de recherche. Bon, ça va augmenter avec le temps, c'est pas trop grave. Alors du coup, ça coûte pas grand-chose d'augmenter la production d'énergie. Bien, 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 bien. Alors, du coup, on peut peut-être déjà voir, alors en petite quantité, hein, mais pour vendre. Prendre par exemple un tout petit peu de chrome. Voilà. Voilà, ce qui permet d'avoir. Attendez, on en est où? Oui, bah c'est bon. Donc, j'ai ma centrale électrique à gaz. Donc, je sais pas encore où je vais la faire. Je vais la faire bah, ici, c'est très bien. Donc, je vais pouvoir augmenter ma production de gaz. Qu'est-ce que j'ai encore en quantité correcte? Je peux vendre un peu d'alu.
Je peux vendre du silicium aussi. Donc aluminium. Et je disais dans les S. Tac 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 tac. Silicium. Hop. Et résultat, je peux vendre du gaz naturel. Bien. Vraiment, comme j'ai dit, là, on va vraiment les garder au cas où j'aurais un souci d'approvisionnement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On peut améliorer. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, on va continuer d'améliorer. Par déficit. Qu'est-ce que je peux vendre qui vaut le coup? Pas grand-chose, mais on peut. Pour moi, il me faut des points de recherche de toute façon, donc il faut que je continue à. Et oui, donc il va me falloir, c'est surtout le traitement de gaz. En fait, là, le projet, là, c'est d'avoir le traitement de gaz le plus rapidement possible. Et pour avoir le traitement de gaz le plus rapidement possible, il va falloir que j'augmente le. Que j'augmente ça. Ça, je sais que j'ai du. Voilà. Plus mes centrales sont élevées, plus je récupère de points de recherche. Donc. Voilà. Ça réaugmente un petit peu. C'est parce que j'ai débloqué les batteries très très vite. Hein. C'est pour ça que dès le départ, les points, je les ai. Il est flingué. Le bois se vend. Le bois se vend, donc on va. Hop, on va faire un petit camp de bûcheron. Et vendre du bois. Évidemment. Alors, aluminium, le bois, c'est ce que ça se. Le bois ne se vend pas. Ça c'est chiant dans le jeu, le bois ne se vend pas. Du chrome. Évidemment. Du fer, j'en exploite pas encore.
Ouais, je m'en fiche. Allez, hop. Là, je commence à me dire peut-être si je faisais une mine de charbon, une mine de fer, ça me permettrait au moins de d'ouvrir ces. Enfin voilà, de pouvoir après les vendre sur le marché des joueurs, même si c'est pas forcément avantageux. Ouais, non, mais le gaz naturel, ça sert à rien là. Hop, aluminium. Bon. Ah oui, c'est dingue comment la gestion des chiffres évolue très très vite dans le jeu. Là, on est en train de se battre avec des centimes, j'ai envie de dire quasiment. Alors qu'avant, vous avez vu, enfin, la partie d'avant où c'était bien évolué, on était à coups de billions, trillions. On en chiait avec des sommes faramineuses de pognon. Et là, on se bat avec quelques milliers de sous, quoi. C'est pas. Avec des milliers de centimes, quoi. C'est pas des milliards, c'est des centimes, quoi. Ah là 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 là. Bon. On va créer une deuxième centrale à gaz là parce que sinon. Ok. Est-ce que sur le marché des joueurs, je peux vendre Je pourrais vendre certainement déjà un petit peu d'aluminium. Voilà. On va faire le tour. On va faire le tour. Il n'y a pas de souci. Aluminium. Le bois, malheureusement, ça part pas. Mais le charbon part. Le charbon, ça part. Le charbon, le chrome. Non, c'est vraiment agaçant ces 10 secondes d'attente entre deux transactions. Du chrome, ok, du fer. Non, sérieusement, ça va me rendre fou par contre ces 10 secondes. Je comprends pas pourquoi le dev a mis ça. Satellite silicium. Silicium. Bien. Bah écoutez, on va pouvoir avoir notre traitement de gaz pour pouvoir faire du plastique. Avec ce plastique, on va faire des chaussures. Et avec les chaussures, c'est bon. Déjà, on va avoir une bonne première partie du. Voilà. On va déjà pouvoir avoir une rentrée d'argent correcte en vendant des chaussures sur le marché. Encore une fois, c'est grâce à un joueur qui met ça en vente en quantité astronomique. Donc, usine de traitement de gaz, voilà, il y en a une ici à. Il y a une case ici à 25%. Bing. Donc, avec ça, on va produire du plastique. Plastique que, en attendant, on peut vendre à la place de l'aluminium. Super. Super, super. Jusqu'à présent, tout va bien.
Qu'est-ce qui se vend le mieux, le chrome? Ouais, mais en fait, faudrait voir qu'est-ce qui se vend le mieux sur le marché, pas sur le truc du jeu. Mais je pense qu'on va commencer à progressivement augmenter les productions. Le plastique, tiens, je vais regarder rapidement le prix du plastique. Ouais, voilà quoi, c'est pas dégueu quoi dans le dans l'absolu, j'ai envie de dire. Alors, pour les chaussures. Usine de chaussures. Bon, il manque des points de recherche. Mais il me faut du plastique. Il me faut 24 plastiques. Donc, bah, on va laisser augmenter. J'ai vendu du plastique, mais en fait, il aurait fallu que je laisse augmenter. On va augmenter la production de chrome. Alors, faut juste que je regarde un petit peu mes prods là. Ok, le silicium. Ce serait pas mal de l'augmenter un petit peu. On va commencer progressivement à augmenter un petit peu les différentes productions. Il manque du gaz naturel. Il manque un petit peu de gaz naturel. Non, bah, de toute façon, on va attendre que ça réaugmente un petit peu, hein, le temps de... Voilà. Attendez, en attendant, je regarde un petit peu. Mais voilà, pour le moment, je veux dire, c'est beaucoup moins stressant que l'autre partie où d'un seul coup, j'ai eu une explosion de la demande de mes ressources, et notamment en gaz. Ma demande de gaz qui a juste implosé en vol. Ça, c'était juste aberrant. Mais voilà.
Allez, maintenant on va pouvoir. Alors, pas ça encore, mais. Ouais, mais ça, c'est pas. Là, ce qu'il me faut absolument, c'est du plastique, hein, c'est ça? C'est ça. Allez, on va voir un petit peu. Ça. Tiens. Tient pas, ça ne tient pas. Ah oui, mais quand on dit ça tient pas du tout en fait. Scierie, papeterie, usine de piles, entrepôt. Je l'ai passé l'usine de chaussures, usine de chaussures. Je commence à débloquer des trucs, hein, mais ah, c'est encore le déluge, toi. On va vendre. On va vendre des trucs parce que là. Non, je m'ennuie avec ça, mais hop. Vendre de l'alu. Allez. Toi. Non. Non, faut que j'atteigne les 7 millions pour lui au moins le passer niveau 10. Sinon. Sinon, je vais encore galérer pendant des plombes. Ta 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 ta. Du charbon. Voilà, donc comme je disais, voilà. Lui, il faut 2 millions 4. Donc il me faut encore, il faut que j'atteigne les 2 millions 4. Donc j'en étais au charbon. Du chrome. Hop, tiens, voilà. Hop, niveau 10 ici. Ici, on augmente niveau 9. Hop. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est du chrome, hein, que je viens de vendre. Hop, du fer. Hop. Et ben voilà. Et ben voilà, on va refaire une centrale, une pompe à gaz par contre, parce que là ça, on sent bien que ça commence à peiner sévère. Usine de chaussures, on l'a. Yes. Hop. Oh, juste à côté. Allez, hop. Alors, je la monte niveau 10 si je peux directement. Je peux pas, il me faut 13 millions, mais l'idée est là. Hein. Hop, on arrête le plastique, on vend des chaussures. Voilà, ok. Ok. Et donc on a des chaussures qu'on va pouvoir vendre d'ici quelques minutes. Je termine le tour quand même. Jouer. Ici, mode. Du plastique. Et oui. Bing. Hop.
Et c'est encore la galère au niveau du carburant. C'est à cause de de mon plastique, ça. Hop. Bah écoutez, on va déjà voir. Ils sont où? Ben voilà! Eh bien voilà, ben il me manque 7 millions. Enfin, il me manque moins de 7 millions parce que voilà, j'ai. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai deux constructeurs. J'y pense plus, mais oui. Effectivement. Effectivement, j'ai deux constructeurs. Ouais, j'ai pas regardé ça, mais ouais. Et je vends de l'alu, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Hop. Donc, on va arrêter d'en vendre. Enfin, on va arrêter d'en vendre pour acheter. On va acheter masse, voilà. Et puis, on va vendre. Donc, des chaussures. Hop. Et là, je peux vendre la totalité. Et donc, là, je peux faire mon arnaque moldave, j'allais dire. Mais ouais. Hop, chaussures. Ouais, bon, bah, voilà. Hop. Et donc là, ça marche. Ça marche parce que ce n'est pas en. Parce que ce n'est pas en export. Si c'était en export, je ne pourrais pas le faire. Voilà. It's like that we do it. Hop. Et bing. Ah, ok. Pas de soucis. Ah ouais, ok. Tu déconnes là. 140. Ouais, après niveau énergie, tout ça, je suis encore bien. Bon. On va partir sur d'autres achats. On a les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est ce qui va rapporter le plus. Semi-conducteur, hop, on va les faire là. Je sais qu'il va me falloir au bout d'un moment de fabrique, mais donc, je suis en train de voir s'il n'y a pas plus propice, mais tant pis, on va la mettre là. Là, ça va être le début de voilà hein, hop, il va falloir commencer à augmenter ses verres. Donc, du fer, oui, c'est ça. Hop, ok,
part encore sur une vente de chaussures. Ah, le gaz. Le gaz, dis donc. Si, ici, on galère un petit peu visiblement. Effectivement, je galère en silicium, je galère en beaucoup de choses en fait. Ça coûterait combien, hein? Ouais, 1 million. Pour le moment, j'ai pas le moyen j'ai pas les moyens encore de monter niveau tout niveau 10 là. Donc, hop, on a le charbon, on a le fer. Hop. Okay, on va en profiter, on va faire aussi le bois. Ok. Et donc justement, les semi-conducteurs, ben ouais, on peut arrêter de vendre du silicium pour vendre des semi-conducteurs. Quoi, je suis toujours en galère de silicium? Bah oui. Ok, ma troisième mine, c'est pas grave. Troisième mine de silicium. C'est vrai que les semi-conducteurs, ça, ouais, bah, c'est logique que ça consomme du silicium, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Je savais plus que c'était à ce point-là. Donc, ok. Ouais, donc toi, le silicium, t'arrives pas. Hop. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer comme bâtiment qui peut rapporter du pognon? En vrai, il me faudrait la scierie, la papeterie. Voilà, on va commencer un petit peu tout ça. On va commencer par la scierie, c'est le plus agaçant. Quand on va mettre ça, parce que on sait hein, qu'on va en avoir besoin d'une bonne quantité, donc on va mettre ça là par exemple. Mettre la scierie ici. Voilà, comme ça on va pouvoir se développer un petit peu autour de ça, sachant qu'on a du carbone, du fer juste autour. Voilà, pour le moment, on va laisser comme ça. On a les piles. Usine de piles. Voilà.